Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ici, nous sommes actuellement en Corse. On a pris le bateau hier, comme vous l'avez vu. On a démarré au port de Nice. Port de Nice qui est juste magnifique. On a navigué toute la nuit et on s'est réveillé ce matin en Corse. On n'était jamais venu en Corse et franchement, incroyable. L'eau, magnifique. Et là, on est en train de faire un petit tour dans la ville. Puis on va continuer. On fait un petit tour sur le bateau encore. Et demain, on s'arrête à Saint-Tropez. Donc, on fait comme ça une petite croisière en France. Donc, voilà. On vous prend avec nous lors de ce petit séjour. Et voilà, en tout cas, on est déjà amoureux de ces destinations. Deuxième jour, ici on est arrivé à Saint-Tropez. Donc hier on est parti de la Corse. On a navigué pendant la nuit, on est parti vers 19h30. Moi j'avais un petit peu le mal de mer quand on a démarré. En fait hier soir je suis allée courir sur le tapis et à un moment donné je sens que je tiens pas droit quoi. Et je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait c'est parce qu'on avait démarré et j'étais pas au courant. Soit. Et donc hier on a passé une super bonne soirée et ce matin on s'est levé tôt, donc on était bien à Saint-Tropez et là on a pris le bateau, on est près du port, on vient de manger dans un petit resto juste délicieux avec une vue magnifique. Je vais vous mettre des images maintenant. J'ai oublié de filmer le plat, donc en entrée on a pris des moules, c'est une spécialité de ce resto là. C'est des moules froides avec comme des légumes coupés un peu en mode gazpacho. C'était délicieux. Et en plat tu as pris des tomates... Peine tomate basilic et moi j'ai pris une assiette avec du melon, enfin plat de trucs délicieux. Et en dessert tu as pris la tarte tropézienne, donc c'est une tarte qui est célèbre ici. Mais elle était dinguissime, donc ça c'était trop bon. Et là on vient de se poser sur le port et moi je crois que je vais aller dans